Je sais pas pour vous, mais moi parfois j'ai envie de faire n'importe quoi. Bah, c'est ce que je vais faire là aujourd'hui. Puisque j'ai pris la peine de farmer 3 fois Kilouche. Ça marche. Mon Dieu. Je fais ça pour éviter que lui, il ait deux cadavres à consommer. Là, je switch par contre. J'ai une idée. Ah merde. Faut à tout prix que je... Là, suivant son script, normalement il va bouffer. Voilà. Ah, que faire? J'ai de la chance. Sinon, ils m'auraient touché là. Ils ont fini. Comme quoi, parfois, quand on fait n'importe quoi, ça marche très très bien. J'ai farmé 3000 yeux démoniaques là. Hein, la moitié du farm d'Argus, c'était sur eux. Non, mais sinon, il doit y avoir plein d'autres façons de le faire. Jusque-là. Voyons voir, il y a sûrement moyen de west le minable avec 1339 PV, ne serait-ce qu'avec ça, Traquenard plus un rue arcanique, ça fait 1465 de PV, donc vous mettez ça en deuxième mascotte, vous faites un one shot de Kilrek. Ah mais Kilrek? Kilrek, non j'avais jamais capté Kilrek, si vous vous souvenez, c'est le démoniste de... merde, là, à le diabotin qui accompagne Terrestrium Malsabo, qui passe son temps à se faire à sacrifier et invoquer. Vous pouvez aussi jouer sur la vitesse, hein, en ralentissant, tout ça. Vous avez beaucoup de mascottes avec vision intérieure, ça peut être très utile de faire ça avec un effet de bombe. Je sais que le... Comment ça s'appelle? La traqueuse de Glistcrow, donc qui est lootable sur Dame Vache, ainsi que je crois qu'en anglais c'est Legs, en français c'est Gambette, voilà, qui est exactement la même chose que la traqueuse de Glistcrow en fait, mais d'une autre source, qui donc peut, avec Tourbillon, peut avoir un effet comme ça de bombe, qui en plus est utilisable, enfin, est utilisable le même tour que on fait la vague de puissance qui nous permet de west une mascotte au choix, et ça marche encore mieux bien sûr contre le cauchemar là, parce que ça c'est quand même aquatique. Vous avez les vieilles astuces entre non plutôt une astuce toute neuve entre la malédiction funeste et drôle de traduction, bref, malédiction funeste et le croyant désirable, donc pour faire dégâts x2. Je décommande complètement d'utiliser Abyssus parce que c'est complètement masochiste de faire ça avec une équipe entière de type magique s'il n'y a rien de magique en face. Voilà.